ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. פרשת לך לך, c'est le début de Am Israël. Parashat Bereshit, Parashat Noach, c'est l'introduction. Parashat Lech Lecha, c'est Abraham Avinu, le père des Avot. Dit le Ramchal, Abraham Avinu, c'est la racine de Am Israël. Am Israël commence de Abraham. C'est lui qui, pendant des dizaines d'années, recherchait un dieu. Il a essayé les fleuves, les océans, les montagnes, le soleil, la lune, les étoiles. Et il a procédé par élimination jusqu'à qu'il arrivait de lui-même à Borolam. Et Borolam s'est dévoilé à lui. Donc c'est la racine de Am Israël. Par quoi commence la racine de Am Israël? Par quoi commence Am Israël? C'est quoi le début de Am Israël? Lech Lecha. Mazel Lech Lecha. Un jour, après qu'Abraham, Baruch Hashem, il a connu Dieu, il s'est installé, il s'est bien développé, il a fait faire tchouva à des centaines de milliers de personnes qui étaient tous autour de lui. C'était Rosh Yeshiva Abraham Avinu. Il était Rosh Yeshiva. HaKadosh Baruch Hu lui dit: allez, maintenant on commence le judaïsme, on commence le stage du juif. Ma osim lech lecha, va, pas de problème. Baruch Hu, quelle adresse que je mets dans le Waze, que je sais où aller en GPS? Elle a arrêté à Shera Eka. Je te dis pas. Non, Merlecha. Pas de problème. Pas de GPS, pas de GPS. Pas de direction, même pas un nom d'une ville, quelque chose. Pas de nom de ville. Un pays peut-être. Pas de pays. Un sens. Nord, sud, est. Pas. Aucun qui voulait. L'air. Abraham, il prépare toutes les affaires, il dit au revoir à tout le monde. Ok. Bon, la terre, c'est la terre où il est né, c'est dur pour un homme de quitter l'endroit où il est né. Betavira, c'est la famille, c'est la maison de son père. Il quitte tout ça. Où? Loedea. Marche. Il se lève le matin, Abraham Avino, il prend ses affaires et il marche. Un pas après un pas après un pas. Oh, Ribono Shel Olam. Lo Yodea. Aucune question à poser. Ma'amin be'emuna shlema, que le dibour d'Hachem, il est vrai. Même pas si encore il y avait une raison de quitter. Hachem lui a dit, l'endroit où tu es, tu sais, c'est dangereux pour toi. Pas. Alors même si je n'ai pas une direction, mais je sais pourquoi je quitte. Il y a le feu dans une maison. Non, allez, nous. Il y a le feu. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Où on va? Mais peu importe où on va, déjà qu'on sort. Alors encore, si Hachem avait dit à Abraham, sors de cet endroit, c'est dangereux pour toi. Ou dans ces... Non. Il y a une raison. Rien. Pas. Où? Nulle part. Mais pas. Et Abraham, il marche. Et Chazal, il nous dévoile que c'était la première vraie épreuve d'Abraham. Et toutes les 10 épreuves d'Abraham, il les a passées avec une réussite 100%. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un instant, un soupçon d'émouna. Une remise en question, qu'est-ce qui se passe avec moi? On parle d'Abraham Avino qui est complètement perdu. Dans un endroit inconnu et il ne sait même pas où il va. Et il ne se pose pas une question. Ça, c'est le début de Am Israël. Zé Yehudi. On va avec Borei Olam. Aval, ici, dans Sefer Chochmat HaMatzpoun,
l'amène au nom du Da'at Chochma Moussa, c'est un sefer de Moussa. Il va un peu plus loin que ça. Il dit, le cerveau d'un juif, comment il devrait fonctionner? Comment il devrait fonctionner? Normalement, dans l'esprit d'un juif, ne devrait pas exister un doute. La chokhma qu'Hachem il a donnée chez un homme, c'est une chokhma qui est elakite, qui est divine. Chez le juif, la chokhma, elle est divine. Normalement, si le cerveau d'un juif, il est pur, et ses actions, elles sont propres, ce qui viendrait dans son esprit serait la volonté d'Hachem. Le Gaon de Mivilna, je vous donne un exemple. Il disait, ici il y a ce Rav là, ce Rav qui écrit ce livre, il dit qu'il a entendu, c'est pas d'aujourd'hui, c'est d'il y a 100 ans ce livre, qu'il a entendu de gens qui sont de confiance, etc., qu'ils ont reçu du Gaon de Mivilna. Que le Gaon de Mivilna, il disait que si quelqu'un il a un doute, il y a plusieurs choix qu'on a à faire dans la vie, on ne sait pas quoi faire. Alors Gaon de Mivilna, il disait que si quelqu'un a un doute, qu'il s'assoie et qu'il étudie la Gemara pendant 3 heures. Il s'assoit, il étudie la Torah 3 heures. Et après qu'il a étudié 3 heures, l'idée qui lui vient dans la tête, qu'il la fasse. Pourquoi? Parce qu'après 3 heures de Gemara, ce qui vient dans la tête, c'est ce qu'Hachem veut. Et ce Rav, il dit qu'il a reçu comme ça de la bouche du Gaon de Mivilna. Et il a essayé. Il avait une fois un problème, une question, un doute, ça, il ne savait pas quoi faire. Il s'est assis, il a pris une Gemara, il a étudié Ben Yun comme ça pendant 3 heures d'affilée. Et après, ben, il n'y a eu aucune idée dans la tête. Donc il est resté avec le même doute. Et ça n'a pas marché. Alors il a déduit que ce qu'il a dit, le Gaon de Mivilna, c'est vrai pour le Gaon de Mivilna. Pour lui, c'est vrai. Lui, que toute sa vie, c'est entièrement de la kdusha, de la pureté. Aucune avéra. Alors, si à un moment, il y a un doute, c'est qu'il y a eu un problème dans les actions. C'est qu'il y a eu un problème dans la pensée. Elle n'est plus aussi pure que ce qu'elle était avant. Et c'est pour ça qu'est né le doute. Le doute, c'est Amalek. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repurifie la pensée. Comment on purifie la pensée? On étudie 3 heures de Gemara d'affilée. Et là, la pensée redevient pure. Et après que la pensée est pure, la première idée qu'il y a dans la tête sera la bonne. Ça, c'est vrai pour le Gaon de Mivilna. Aval nous, qui avons pas que les pensées qui sont pas pures, mais aussi les actions qui sont pas pures, et la parole, et l'ouïe, et la vue, et l'odorat, et les actions elles-mêmes. Ah, c'est pour ça qu'on a plein de doutes, et qu'on sait pas comment agir, et qu'on est refroidi dans l'avodat Hashem, et qu'on est refroidi dans la tfila, et ainsi de suite. Aval Avraham Avinu, quand Hachem lui dit Lech Lecha, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de savoir où je vais. Où mes pieds iront, c'est où tu veux que j'aille. C'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on n'a pas cette émouna là. On croit que c'est nous qui devons prendre notre vie en main et faire des choix et agir. C'est vrai une fois qu'on est sale de Averot, mais dans l'absolu, ça ne devrait pas être comme ça. Comme un enfant. Un enfant, quand il est tout petit, oui, après qu'il a fini de prendre le lait chez sa mère, il apprend à manger. Tu prends une cuillère, tu lui approches la cuillère de la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche! Si c'est bon, si c'est pas bon, il fait pfff. Ah, si c'est bon, il ouvre la bouche. C'est son réflexe. Il ouvre la bouche, on lui met dans la bouche. Lendemain aussi, tu lui fais le repas. Le repas, il est prêt. Il a compris que maintenant, c'est son repas. Il a compris. Dès que le repas arrive, il commence à s'exciter. Okay. Tu prends une cuillère, tu approches la cuillère, hop, il ouvre la bouche. C'est comme ça, un enfant. Et ça, ça dure quelques mois. Après un certain temps, on amène le repas habituel à l'enfant, on prend la cuillère et on attend la réaction classique, il ouvre la bouche. Et là, l'enfant, tout d'un coup, il a une autre réaction. Qu'est-ce qu'il fait?
il veut prendre la fourchette. Il veut prendre tout seul. Comme ça, c'est tous les enfants. Tout d'un coup, il veut prendre tout seul. Alors nous, on a peur qu'il salisse. Et, ah, on dit non, non, non. Alors on essaie de... Ah, peut-être le premier jour, ça marche. Le deuxième jour, ça ne marche plus. Okay. Si tu lui donnes, si tu lui donnes toi-même, et il ne veut pas prendre, il veut prendre la fourchette dans la main, tu perds ton temps. Au bout de quelques jours, alors on lui donne la fourchette, et vas-y, là, le travail. Okay. Alors si c'est du chocolat, et si c'est du truc, il y en a partout. Tu lui donnes le yaourt, il ne veut pas prendre le yaourt. Tu ne peux pas lui donner le yaourt. Il veut prendre le yaourt tout seul. Alors il va prendre la fourchette, et il va manger tout seul son yaourt, et il en met partout. Ça, c'est Yetzer Hara. Pourquoi ? Pourquoi tu veux faire tout seul ? Ça, c'est nous. Normalement, on devrait ouvrir avec Borei Olam, on ouvre la bouche. Lech Lecha, Efo, je te guide, où tu veux, Borei Olam, je fais. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que tu veux. Mâche ta guide, mâche ta assez. Première chose qui vient à l'esprit, c'est ce que tu veux. On ne réfléchit pas, mais je dois faire. Un homme, il croit que c'est lui qui gère. C'est lui qui gère son monde. Comme un petit peu, l'Avodah Zara, dont le Rambam y parle, comme ça a commencé l'Avodah Zara. À la base, les premiers ont fait Avodah Zara, les premiers qui ont fait Avodah Zara dans le monde, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, seulement ils disaient, c'est pas possible qu'un Dieu tellement grand, il gère lui-même en personne son monde. C'est pas possible. Il y a trop de différences. Et de taille, et de kdusha, et pour que un créateur aussi puissant, il vienne et c'est lui qui décide qu'est-ce que lui va manger, qu'est-ce que lui va manger, quelle fourmi elle va aller là, quelle fourmi elle va aller là, et où les abeilles vont prendre leur... C'est pas possible. Alors c'est sûr qu'il y a des intermédiaires, et les intermédiaires, forcément, c'est les grands astres qu'il a créés, et le soleil, etc. Donc il faut servir aussi l'intermédiaire. L'élève d'un rab aussi, il est très très mechoubad. On donne du kavod aussi à l'élève d'un rab. As le soleil aussi, c'est l'élève du rab, il faut aussi le respecter. Alors on respecte Dieu, bien sûr, mais on respecte aussi le soleil. Et puis après, il faut que de nous-mêmes, c'est pas possible qu'Hachem y gère tout. Donc c'est l'homme qui doit se débrouiller tout seul. Comme ça, ils ont compris. Et ça, de là est né l'Avodah Zara. Après, ils ont oublié la source qui est Dieu, et ils sont restés bloqués que dans le soleil. Ça, c'est la vraie Avodah Zara classique. Nous, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Am Israël, il commence par Lech Lecha. Lech Lecha, c'est la Emouna à 100% pure. Il n'y a pas plus grande Emouna que Lech Lecha. Lech Lecha, c'est le symbole de l'illogique. Il n'y a pas de logique dans Lech Lecha. Aucune. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune direction. Il n'y a aucun sens au Lech Lecha. C'est l'inverse. Hachem lui dit, Lech Lecha, Lecha, Lehanatra. Pour ton bien. C'est quoi pour ton bien? Banim, Shem, Mamon. Tu auras des enfants. Tu auras de l'argent. Et tu auras aussi un nom, une renommée, une réputation. Mais ça, c'est l'inverse qu'on reçoit quand on part en chemin. Quand on part en chemin, on ne peut pas faire pire à Virivia. Quand on part au chemin, on ne peut pas ouvrir des affaires. On marche. Quand on part au chemin, on ne peut pas se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut rester dans un endroit longtemps et montrer ses qualités et faire ses preuves. Et là, un homme, il a une réputation. Alors tu me dis, va pour ces trois choses et tu me dis faire la chose qui annule ces trois choses. Okay. Parce que vivre avec Borei Olam, c'est se couper complètement de la logique. La logique, c'est l'enfant qui veut manger tout seul. La réflexion de l'homme, c'est l'homme qui veut décider lui-même. En vérité, la réflexion pure de l'homme, c'est entièrement le service d'Hachem. Ça, c'est la émouna la plus forte qu'il peut y avoir chez un juif. Les gens, ils peuvent croire que ça a l'air un peu bébête. Mais émouna, quoi, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas savoir, il ne faut pas... Après, tu peux comprendre. Après, tu peux chercher à savoir. Mais d'abord, il faut être ma'amin à 100%. Comme on a dit plusieurs fois, j'ai entendu ça, un grand rav, un grand tzaddik nista, Rav Naïm Yalav Shalom, une fois c'est lui qui a dit ce chidouche.
Il a dit, d'abord on dit En kelokenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu. Il n'y a pas comme un Dieu. Et après on dit Mi kelokenu. Une fois que tu sais que En kelokenu, alors tu peux demander Mi kelokenu. Tu peux chercher à comprendre pourquoi Dieu il est unique, etc. etc. Mais avant, il faut d'abord admettre que Dieu il est unique. Ça, c'est le moussar le plus grand qu'un homme peut avoir dans sa vie. La émouna la plus forte. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu commence Am Israël. C'est comme ça qu'on commence. La première épreuve d'Abraham, Konem Kol Emouna. Konem Kol, est-ce que tu me fais confiance à 100%? Je te dis d'aller n'importe où. Même si je te dis pas d'aller quelque part, tu vas, tu fais, Ken. Sans discuter, sans discuter. Après, il y a deuxième niveau. Après, il lui a dévoilé où? Eretz Kenan. Eretz Kenan, il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il y a? La famine, il doit ressortir. Il doit retourner en Égypte. Ah, tu m'as dit d'aller en Israël. Et en Israël, c'est la terre que tu m'as promis. Et tu m'as dit, Eretz Israël, Eretz Avat Chalav Udvash. Et tu m'as fait sortir de là-bas pour aller là-bas, etc. Bon, quand finalement tu me dis où aller, alors je crois que c'est terminé. J'arrive là-bas, ben, c'est tout l'inverse. Il n'y a rien. Ben, tu te moques de moi. Parce que cela, maintenant, il peut penser comme ça. Il peut penser, je n'ai pas dit qu'il va dire. Il peut un peu être déséquilibré dans sa émouna. Ken? Après, il va se reprendre. Il va dire non. Il va dire comme Yaakov Avinu, il a fait. Yaakov Avinu, il est venu, il efface le fils d'Esav. Il lui a pris tout son argent. Il lui a pris ses vêtements aussi. Ses vêtements, il lui a pris. Il l'a laissé tout nu. Yaakov Avinu, il ne savait pas où aller. Il va rester nu comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un fleuve. Il rentre dans le fleuve. Il rentre dans le fleuve et il attend. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ken? Et là, il a dit Shira Ma'alot, Shirla Ma'alot. Et ça, Ena Elaharim, mais Aïn Yavo Ezri. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est un manque de Mouna. Tout de suite, il s'est repris. Tout de suite, Ezrimi, Hashem. Chas v'shalom. Oh, c'est Shama, il va arrêter. Mon aide, elle vient d'Hashem. Hashem, c'est lui qui sait. C'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui gère son monde. Et Vadaï, Chas v'shalom, il s'est repris tout de suite. Yaakov, Ezrimi, Hashem. Il est devenu un cavalier pour se baigner, etc. Il a enlevé ses affaires, il a mis son cheval, il est rentré, une vague elle est venue, elle l'a pris, et Yaakov Avinu est sorti, il a mis les affaires, il a pris le cheval. Ezri Meim Hashem, on sait Shemaim Bar, Aval, avant Ezri Meim Hashem, il y a eu Me'ayin Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Il y a eu un petit instant où la Emouna, elle a été atteinte. Avraham Avinu, pas un instant, pas une seconde. Rabotai, c'est un niveau de malach. C'est inhumain. Pas une seconde de moindre soupçon, même inconscient, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être je me suis trompé. Peut-être, je sais pas dire, peut-être moi je me suis trompé. Même pas ça. 100% d'émouna avec Borah Olam. Dans des conditions les plus folles. Les plus incroyables. Un homme, il peut être complètement perdu. Sa femme, on lui a pris. Hachem, il lui promet. Lech lecha, je vais te donner des enfants. On lui a pris sa femme. Déjà, elle était stérile. Alors, en plus, on lui a pris. Alors, elle n'a plus aucune chance. Et même dans des matzavim, pareil. Chas v'shalom. Il n'y avait même pas me'ayin yavo ezri. Il n'y avait même pas un instant de remise en question, de doute. Pas un instant. Zeram Israël, Rabotai. Am Israël, il marche à 100% main dans la main avec Borah Olam, comme le bébé qu'on lui amène à cuillère et il ouvre la bouche. Rien, il fait rien. Il se laisse entre les mains de Borah Olam 100%. Chazal, ils ont dit un autre machal. L'enfant qui est dans les bras de sa mère, nourrisson. Ken? Un nourrisson un peu plus grand. Il est dans les bras de sa mère. Sa mère, elle va un endroit où il y a des vagues, où il doit passer un fleuve, elle passe le fleuve. Après, elle va dans un endroit où il y a le feu, elle passe le feu. Et à chaque endroit, on demande à l'enfant où tu es. Où tu es maintenant? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je suis dans les bras de maman. Je suis dans les bras de maman. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas les vagues, il n'y a rien du tout. Dans les bras de Borah Olam. Ça, c'est Yehudi. Il y a une épreuve comme ça. Il y a ça. Où tu es maintenant? Ben là, je suis dans la galère. Ah, c'est dur. Ah, là, c'est, je passe un coup dur. Là. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est plus un enfant.
Ça, c'est un grand. La maman, elle était dans le feu. La maman, elle était dans l'eau. L'enfant était dans les bras de la maman. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de feu, il était dans les bras, en train de dormir, tranquille. Zayyouti. Zelechnecha. À chaque instant, entre les mains de Boré Olam, partout, dans toutes les conditions les pires au monde, chez l'Oyo, entre les mains de Boré Olam. Ça, c'est la création de Am Israël. À partir de là, on peut commencer toutes les parachutes de la Torah, jusqu'à Matan Torah, et même après, Yiratzon, Shin Trazek Be'emunah, jusqu'à la venue du Mashiach, Be'emunah, Be'emunah.